On m'a littéralement insultée le premier jour que j'ai porté le voile, mais ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Assalamu alaikum, moi c'est Maki et aujourd'hui c'est mon témoignage que je vais partager avec vous. Tout a commencé après ma conversion à l'islam, je crois que c'était 2-3 mois après ma conversion. Et je me souviens même qu'à l'époque, je ne m'habillais pas de manière islamique, je ne me voilais pas, je ne portais pas des robes, je portais des perruques, quelque chose qu'aujourd'hui je déteste. Je me demande comment est-ce que j'ai eu à porter cette perruque. C'est ça aussi la force de l'islam, ça te fait changer d'avis sur beaucoup de choses et ça te fait comprendre vraiment ce qui est important. Quelque chose qu'avant, tu trouvais normal. Et après, tu comprends que c'est pas ça en fait. Donc, j'étais à Marseille en vacances. Quand je suis arrivée à Marseille, j'ai aimé. Pas parce que Marseille est la plus belle ville de France, non, mais j'ai trouvé beaucoup de femmes maghrébines, beaucoup de femmes arabes qui se voilaient. J'ai trouvé une forte communauté musulmane. Et j'ai dit, ok, je suis là. Franchement, il semble qu'ici, les gens n'ont pas du mal à voir les femmes musulmanes, les femmes voilées. Et franchement, voir ces femmes voilées m'a vraiment beaucoup encouragée parce que où je suis en Italie, y a pas, on voit pas trop souvent des femmes qui se voilent. Donc, quand tu sors comme ça, et tu te sens pas encouragée, quoi. Et ta foi n'est pas aussi assez forte. Tu veux commencer, mais tu sais pas comment faire. Et quand je suis arrivée à Marseille, j'ai voulu faire ces premiers pas. Parce que je me suis dit que j'allais me sentir à l'aise au milieu des gens qui étaient déjà habitués à voir les femmes voilées. Un matin, je me suis levée, j'ai porté mon jean, une chemise, mais j'ai porté le voile. J'avais un voile avec les papillons que j'avais acheté à H&M et j'ai décidé de le porter. Et je suis sortie de chez moi. Une fois sortie de chez moi, j'ai fait 50 mètres. Et je suis arrivée sur le marchepied et je devais traverser. Et quand j'ai commencé à traverser, j'ai vu qu'il y avait un monsieur juste derrière moi qui traversait avec moi. Et quand on est arrivé de l'autre côté, il s'est mis légèrement devant moi et il m'a regardé. Il a regardé mon voile. Il a dit, Jean, c'est chez toi, on t'a dit de te mettre comme ça. Jean, c'est ton président qui t'autorise ça. Et moi, je l'ai regardé. Je me suis rendu compte en fait que c'était sûrement un SDF parce qu'il était habillé bizarrement et il n'était pas lucide en fait. Je ne sais pas s'il avait consommé de l'alcool ou des substances. Je ne sais pas s'il avait consommé quelque chose. Mais, wallahi, par Allah, sincèrement, je ne me sentais pas offensée. Je ne me sentais pas frustrée, je n'avais absolument pas mal de tout. Parce que j'étais sortie de la maison et c'était la première fois que je me voilais. Et retrouver ces messieurs qui m'avaient parlé de cette manière, ça m'a pas du tout dérangée parce que j'ai compris la puissance du voile. Quand je suis sortie de chez moi, franchement, j'étais convaincue de mon voile. J'ai compris en fait la valeur du voile. Je savais en fait pourquoi je me voilais. Et ça m'a pas fait mal parce que je savais la raison pour laquelle je me voilais. Je le faisais à cause d'Allah. Et j'étais fière de ça en fait. J'étais fière de mon voile. Parce que je connaissais l'importance du voile. Je savais en fait l'effort que j'étais en train de faire en portant le voile. J'étais presque contente parce que quelqu'un avait insulté mon voile. Un voile que j'ai porté à cause de Dieu et je me sentais presque privilégiée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'avais pas du tout mal. J'étais tellement fière de moi, j'étais tellement fière de mon voile et je suis restée là en train de le regarder partir. Et moi, j'y souriais en fait. J'y souriais, je me sentais bien, je me sentais fière. J'ai continué ma route toute souriante. Franchement, j'ai regardé les gens, j'y souriais et je ferai une vidéo pour vous faire comprendre. L'importance que moi je donne au voile pour encourager aussi d'autres filles à se voiler. Le voile, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est difficile au début. Et une fois que tu le portes, une fois que tu comprends la valeur du voile, c'est entre toi et puis Allah. Même si quelqu'un vient t'insulter, vient te regarder bizarrement, tu peux pas avoir autant mal parce que tu sais ce que tu fais. Et surtout,
tu sais ce que tu portes. Donc, c'était ça mon témoignage. Et à partir de ce moment, j'ai toujours porté le voile avec une grande fierté. Et je suis contente et Allah m'a fait grâce. Et j'espère qu'il va faciliter aussi d'autres personnes, d'autres filles musulmanes qui souhaitent se voiler, et de leur donner la force de faire face aux critiques, aux préjugés. Parce que moi, quand on m'insulte aujourd'hui, on me regarde bizarrement. Je suis très contente en fait. Je suis fière. Je me sens privilégiée. Et je sais que ces insultes ou ces regards bizarres me donnent des points auprès d'Allah. Donc, je ne peux qu'être contente. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous si vous avez apprécié et laissez un gros pouce bleu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.